Coucou la famille, moi c'est Ali Bouti, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui nous allons parler de l'aloe vera. A toutes les nouvelles abonnées, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre famille Talibouti. Bouti. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Alors, l'aloe vera contient 6 antiseptiques naturels. Et sa composition permet d'éliminer beaucoup de choses la moisissure, les bactéries, les mycoses, les champignons et plein, plein d'autres choses. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques utilisations de l'aloe vera. Pour la peau, l'aloe vera convient à tout type de peau. Il régule le sébum, il prévient l'apparition des imperfections et sert d'antiseptique sur les boutons pour les peaux grasses à mix. Laloe vera répare aussi la peau, il adoucit, il protège, il prévient du vieillissement de la peau et agit sur le collagène. Il hydrate aussi très très bien la peau. Pour soigner les brûlures, vous coupez la feuille. En deux. Donc vous allez les couper sur le sens de la longueur et vous appliquez directement sur la brûlure. Pour les piqûres d'insectes, appliquez généreusement le gel d'aloe vera sur la piqûre et votre douleur s'apaisera les démangeaisons également. L'aloe vera, c'est une plante à avoir. Si vous pouvez pas avoir la plante chez vous, vous achetez juste le gel. Moi, c'est ce que je fais. J'ai la plante à la maison, mais je la coupe très, très, très rarement. Euh, ce que je fais, bon, après, j'avoue que c'est un peu de la flemme. Je préfère acheter le gel qui est 100% bio ou alors à 99%. Ça aussi, ça marche très bien. Et la dernière utilisation. C'est pour les cicatrices et les vergetures. L'aloe vera est a un très fort pouvoir hydratant et réparateur. Alors, l'aloe vera va venir prévenir l'apparition des vergetures. Mais aussi il va atténuer considérablement les vergetures. Donc pour les femmes qui ont qui cherchent des solutions pour les vergetures, et bien l'aloe vera peut être votre allié. Donc sur ce, je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très fort. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Bisous bisous.